Noé, le cultivateur, commença de planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Mais Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leur épaule et, marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Le démarrage de la vie après le déluge, et lui a des graines de toutes les plantes, il a des coupes de tous les animaux, mais des graines de toutes les plantes, peut-être des petits pots, comme Christophe Colomb qui emportait des petits pots de vigne dans le Nouveau Monde, et il plante cette plante qu'il ne connaît pas très bien, elle donne des fruits délicieux, en plus, ça c'est dans la Bible, ça se passe au mont Ararat, et on sait par l'archéologie que c'est un des foyers d'origine de la viticulture. L'Arménie, la Géorgie, le Caucase du Sud. Et donc, il plante la vigne. Bien sûr, il fait du vin. On le boit avec un plaisir immense. Et quand il fait très chaud, parce que s'il se met sous la tente, c'est qu'il devait faire assez chaud pour faire la sieste. Quand il fait très chaud, bah, si on boit beaucoup de vin, on s'enivre. Et bon, il ne se prend pas pour Dieu, mais il s'endort. Et il se dénude complètement. Et là, donc, là, c'est... Je ne sais pas si c'est le lieu de parler de cette histoire, mais la faute de Cham est sûrement bien plus grave que celle d'avoir simplement vu son papa dénudé sous la tente. Parce que voir la nudité de son père ou de sa mère, c'est un acte sexuel. Cette ambivalence du vin, elle est présente tout au long de la Bible, hein, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Hein, c'est le vin de l'Alliance, donc c'est vraiment le lieu de la communion avec Dieu, en tout cas le signe de la communion avec Dieu, mais c'est aussi le vin de la colère de Dieu dans l'Apocalypse. Hein, je vais déverser sur vous le vin de ma colère. C'est le vin de Cana, c'est le vin aussi du Cantique, hein, voilà, mais qui est dépassé. Hein, ton amour est meilleur que le vin. Je pense que le vin est une métaphore de la condition humaine et même peut-être de la condition divine du Dieu incarné qu'est Jésus. C'est-à-dire que le vin est une occasion de joie, de bonheur et développe le sens de l'amitié et de l'amour. Et en même temps, il est une occasion de péché. Cette grande plaine de la Saône a été l'axe de communication le plus emprunté depuis la Haute Antiquité, bien avant même la conquête romaine, au temps des Gaulois. Et au Moyen-Âge, il y a un basculement autour de la fin du XIe siècle. Il y a une très grande forêt qui a repoussé pendant les invasions. Et c'est au cœur de cette grande forêt que les moines de Cîteaux qui quittent, qui sont une sorte de dissidence de l'abbaye de Cluny, viennent s'installer au désert, comme on dit. Le désert, c'est l'endroit dépourvu d'humanité, et ils s'installent dans un endroit sauvage, cette forêt de Cîteaux qui a été cultivée à l'époque romaine et très fréquentée le long de cette voie romaine, et ils s'installent là, ils défrichent autour d'eux, ils drainent parce que c'était devenu un endroit très marécageux, et c'est là où ils commencent à constituer des domaines agricoles ayant besoin de travailler la terre et de vin pour l'office divin et pour recevoir les hôtes très nombreux passant dans cette plaine et allant soit vers le sud, vers Compostelle ou vers Rome ou vers les croisades, soit vers le nord, vers les pays germaniques où n'oublions pas qu'on est ici sur le plan politique à cette époque au cœur d'un des grands états de l'Europe médiévale qui est le duché de Bourgogne, le grand duché d'Occident. Ce sont les meilleures terres qui servaient à fournir la table des ducs, qui était une grande table gastronomique du Moyen-Âge. Alors ça, c'est pas directement religieux, mais c'est complètement lié. C'est-à-dire que l'abbaye de Cîteaux doit aussi sa prospérité à l'affection et aux dons venant des ducs et de toute la cour de Bourgogne. Donc là, en fait, c'est un des cœurs de l'Europe. En tout cas, ici, on comprend un peu ce qu'est la civilisation européenne, par civilisation qui est
fondée sur le christianisme, et les moines de Cîteaux ont eu un rayonnement extraordinaire, parce qu'il y a des abbayes partout, partout en Europe, qui sont des filiales, des filles de Cîteaux, dont Valmagne, qui est une abbaye qui continue à faire du vin. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Il y en a en Italie quand même un certain nombre, qui sont des abbayes tenues toujours par des moines, des communautés monastiques, et qui font du vin. Mais en France, il n'y en a plus beaucoup, du fait de la Révolution, qui a détruit totalement l'abbaye de Cîteaux, mais qui n'a pas détruit cette ferme, cette grange. Et aujourd'hui, ces 50 hectares sont partagés entre 80 propriétaires. C'est ça, ce laboratoire de la haute viticulture de qualité qui a été inventé par les moines de Cîteaux et qui existe encore aujourd'hui. C'est étonnant parce qu'en fait, les pieds de vigne, on a l'impression qu'ils tendent vers le ciel, mais avec une forme parfois qui cherche le chemin vers le ciel. Et ça peut être tout un symbole d'ailleurs, mais c'est pas toujours facile d'arriver vers là-haut. Mais en fait, c'est symbolique parfois aussi de presque un chemin de vie. Alors là, nous sommes à la sortie de l'hiver, donc on voit que la vigne a été taillée. Et on a laissé 6 porteurs espacés de façon à laisser la place pour chacun. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est de là que vont partir les sarments qui porteront le raisin. Donc on a sélectionné ceux qui étaient les plus vigoureux, les meilleurs. Et c'est eux qui vont porter vraiment le fruit de la vigne pour cette année. Après, il va y avoir un autre passage pour enlever tous les petits bourgeons qui vont sortir au printemps. On n'a pas l'impression, mais d'ici quelques jours, enfin en tout cas au moins une ou deux semaines, ça va être une vitalité incroyable. La vigne va sortir plein de bourgeons, d'une part sur les porteurs, donc ceux-là on va les laisser. Et puis parfois, il y en aura d'autres endroits et ça, faudra les enlever pour que la vigne ne s'épuise pas dans plein de sarments inutiles, mais qu'elle concentre ses forces sur les sarments qui porteront le raisin. L'essor a acquis la propriété en 1967, le 15 septembre. Alors, mais vous imaginez, après, pour faire les plans, la construction, c'est 68-69. Mais ça, c'est un peu dans nos gènes de notre vie monastique. C'est de pouvoir cultiver la terre. Et ça, vraiment, ça fait un petit peu partie de notre ADN. De nos racines. Et donc ça, c'était important. Donc, en fait, on aurait préféré avoir un vieux bâtiment roman... mais on avait trouvé les bâtiments, mais il n'y avait pas les terres. Et donc, en fait, les sœurs ont préféré... Enfin, nous, on n'était pas là à l'époque. Hein. Les sœurs ont préféré acheter une terre et construire un bâtiment moderne, entre guillemets, un peu dans la sobriété aussi. Hein. Mais parce que je pense que c'était tellement important de pouvoir équilibrer notre vie monastique avec le travail extérieur, agricole, avec la pénibilité qui s'y met, mais aussi cette beauté. Et puis ce sens symbolique. Et donc là, on n'a pas choisi notre culture, parce qu'en Provence, on a pris ce qu'il y avait. On reçoit ce que la terre nous donne aussi. La vie, ça n'est pas quelque chose que... C'est pas un,
c'est pas un support, c'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose de gai, et le vin, on le partage aussi. Donc ce n'est pas la vie, elle n'est pas limitée pour nous, elle est aussi ouverte sur le monde. Et je pense qu'il y avait tout ça aussi dans ce que le Christ a voulu. Je pense qu'il y a aussi toute la symbolique de la Bible. Depuis, vous parliez de Noé. Mais en fait, le vin, il poursuit son chemin à travers toute la Bible. Et je pense que c'est pas un hasard, si vous voulez, qu'il y a tous ces rappels où Israël est comparé à une vigne, où justement, il y a comment on agit avec, c'est ce que nous dit l'Ecclésiastique, comment est-ce qu'on agit sagement avec du vin. C'est-à-dire, quelle est la leçon de notre vie, comment mener sa vie droitement, parce que c'est un peu le... Enfin, on dit la conversion, c'est se tourner vers du bon côté, si vous voulez. Et donc, en fait, tous ces conseils de l'Ecclésiastique nous indiquent, c'est une méthode, comment on agit en étant homme. Et donc, quand on va jusqu'au bout, le Christ est venu s'incarner pour nous sauver, bien sûr, mais surtout pour nous montrer comment est un homme. Moi, j'aime bien imaginer que cette parcelle représente le travail que faisaient les moines à l'époque. Voilà le travail fini des moines sur une parcelle. C'est-à-dire, on laisse enherber au milieu, et sous le rang, voilà, il passait à la pioche, comme nous on fait. Hein. Moi, c'est moi qui le fais ici. Et c'est satisfaisant. Et ça, c'est les signes de sol souple. Vous voyez les petits trous, là ? Ça, c'est les vers de terre. Ces vers de terre qui vont en profondeur, chercher l'eau, et qui reviennent, et qui ramènent de l'eau. Donc en fait, plus on a un sol vivant, ce que moi j'essaye de favoriser, plus on a un sol vivant, plus en fait il y a un équilibre qui se crée avec la vigne. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que il faut trouver le juste équilibre. Par exemple, ça, ce chardon, moi je les enlève, parce que ça consomme trop d'eau et trop d'oligo-éléments. Par contre, ici, je laisse enherber, parce que tout ça, c'est la protection du sol. Depuis le 5e siècle, à Valmagne, il y a toujours eu de la vigne. Mais les moines, quand ils sont arrivés en 139, ils avaient trois critères pour installer une abbaye. C'était accès à l'eau, calme absolu et grand terroir. En fait, moi je les imagine, parce que tout à l'heure on va aller derrière l'abbaye. Vous allez voir, quand on va arriver sur les terroirs derrière l'abbaye, on va aller un peu plus loin et on pourra imaginer ce qui venait d'Albi. Donc ça, c'est la route d'Albi, hein. On peut imaginer quand ils sont arrivés, et vous allez voir que d'un coup, en fait, cette vallée, elle sonne comme une évidence, quoi. Et Valmagne, d'ailleurs, c'est la grande vallée. Hein. Il y a des générations de moines qui ont choisi cet endroit pour faire du vin, certainement, évidemment, on n'a pas beaucoup de traces. Bon, on sait quand même que vers le 14e, 15e siècle, etc., il y avait une réputation qui était assez bonne, notamment de vous savez, les abbayes 14e, 15e, c'était des lieux où les puissants personnages qui voyageaient s'arrêtaient. C'est une espèce d'hôtellerie de luxe, hein, du 5 étoiles. Et le vin, il était 5 étoiles aussi, dans ce cas-là, en général. Il faut savoir que les moines qui faisaient du vin ici, ils savaient exactement comment on faisait du vin en Bourgogne. Parce que, en fait, alors ça c'est un peu long, mais il faut savoir, en gros, que les abbayes cisterciennes, mais les autres aussi, une notion qui dépassait totalement l'Europe d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que c'était des régions relativement proches les unes des autres, et au niveau des moines, il y avait le grand chapitre général tous les ans à Cîteaux, chez les cisterciens. Et il fallait imaginer ces abbés qui emmenaient souvent leurs célériers, qui se déplaçaient pendant peut-être un mois d'abbaye en abbaye jusqu'à Cîteaux pour venir au grand chapitre général, qui restait quelque temps et qui repartait en s'arrêtant dans d'autres abbayes. Et tout le monde se croisait sans arrêt. Et il y avait, évidemment, ils emmenaient avec eux l'abbé
ne partait pas tout seul. Donc, soit il emmenait le frère Célérier qui s'occupait du vignoble, soit il emmenait un ou deux frères spécialistes des vignes, et il retrouvait des cépages, il retrouvait des méthodes de culture, il y avait des tas de choses comme ça qui faisaient que le savoir des cisterciens était divulgué à travers toutes les abbayes d'Europe, quasiment. Et donc ça, c'est très très important, parce que qu'est-ce qui a fait la grandeur des cisterciens dans l'action de faire du vin? C'était aussi ce maillage incroyable qu'ils ont pu avoir à travers toute l'Europe. Le bon vin, bu avec attention, modération et en partage, est le chemin de Dieu. Et c'est pas par hasard que Dieu a voulu que le vin soit élaboré par les hommes, mais selon son bon vouloir. Et c'est en cela aussi que le christianisme prolonge et magnifie la religion dionysiaque, où Dieu... Le dieu du vin, Dionysos, rentre dans le vin. Et au cours du symposium, lorsque les symposiarques, comme ceux du banquet de Platon, par exemple, boivent rituellement le vin de la coupe, ils boivent le dieu lui-même, ils boivent Dionysos. Et donc ça préfigure évidemment la transsubstantiation, où l'on boit le sang du Christ au moment de la communion, sous les apparences du vin. Ça vient... directement de ce monde méditerranéen et moyen-oriental où le vin joue depuis très très longtemps un très grand rôle dans les religions, la religion mésopotamienne, égyptienne. Il y a des jarres de vin dans les tombeaux des pharaons, alors qu'auparavant c'était des jarres de bière. C'est vraiment la boisson du ciel, c'est la boisson des dieux. Ça a été transformé en chai après la Révolution. Parce qu'en fait, l'abbaye est devenue un bien d'État. Ça a été récupéré par l'État après la Révolution. Et ça a été revendu. Et la personne qui l'a revendu, en fait, a acheté à lui un domaine viticole. Et il s'est dit, quoi de mieux qu'une abbaye avec des pierres immenses pour faire un chai de vinification. Donc c'est pour ça qu'il a fait murer tous les vitraux. Donc une partie sont murées. Et il a mis ses énormes foudres en chaîne de Russie. Il les a fait monter sur place. Et moi, je me souviens quand on était petits, de temps en temps, on montait, on prenait une échelle et on mettait notre nez sur les foudres. Et ça sentait encore, il y a encore des vapeurs d'alcool, quoi. Et c'est l'odeur qu'on a, que moi j'ai depuis que je suis tout petit, dans l'abbatiale, cette odeur, c'est toujours la même. Et c'est toujours celle de ces foudres, quoi, de ce bois qui a eu la fermentation du raisin. Et mon père, lui, il a vinifié jusqu'en 96, il a. Il y eut des noces à Cana et la mère de Jésus fut invitée à ces noces. Mais Jésus aussi fut invité avec ses disciples. Et ils y vinrent et pendant la noce, il n'y eut plus de vin. Et la mère de Jésus s'approcha de lui et lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, le vin, c'est le signe de l'alliance, hein, le signe de l'alliance de Dieu et des hommes. Et on en boit le jour du mariage. Et on en boit le jour du mariage, voilà. Alors Jésus répond en disant, « Femme, que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Avec cette interrogation sur le sens à donner de soit d'une question, soit d'une affirmation, « Mon heure n'est-elle pas venue ?»
ou mon heure, enfin, qui est plutôt une négation qu'une affirmation, mon heure n'est pas venue. N'est pas encore venue. N'est pas encore venue. Et donc sa mère dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira, qui est le, comment dirais-je, l'expression de, par laquelle est contractée l'alliance par Moïse. C'est-à-dire qu'en fait, elle se fiche complètement de ce que lui dit son fils, qui lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Bon, elle lui répond même pas, et elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous le dira, c'est-à-dire qu'elle le force à entrer dans la vie publique et donc à préparer la passion qui arrivera 3 ans plus tard. D'une certaine manière, on peut dire ça. Et donc, on vient voir le maître de la noce, et on lui présente cette eau, et il puise, et c'est un excellent vin. Et donc, le maître de la noce vient voir Jésus, le marié, lui dit, mais d'habitude, on sert le bon vin au début, puis quand les gens sont gris, eh bien, on leur sert la piquette. Et toi, tu as gardé le bon vin pour la fin. Et donc, mon vœu, c'est pour les mariés, c'est de garder le bon vin pour la fin. Voilà. Alors, si vous me permettez un commentaire œnologique sur le sujet, on sait qu'il y avait déjà à cette époque, donc même à l'époque grecque, mais surtout, on a beaucoup de témoignages de l'époque romaine, une hiérarchie des vins. Il y avait des très grands vins, comme ceux qui venaient, par exemple, de la région de Gaza aujourd'hui, hein, qui étaient exportés par le port de Jaffa, et puis, ou par exemple, au pied du Vésuve, hein, où il y avait de très grands vins, liés, bien sûr, à une clientèle très fortunée habitant Pompéi ou Herculanum, ou Naples. Donc, il y avait une hiérarchie des vins. Et là, il y a réellement, on insiste sur le fait que c'est un vin particulièrement exceptionnel. C'est le don de Dieu. Et par conséquent, Dieu s'est mis entièrement dans ce vin. C'est, qu'est-ce que j'aurais voulu être là ? Qu'est-ce qu'il est fait par le plus grand des vignerons, voilà, le plus grand des viticulteurs, le plus grand des créateurs, qui est le poète, c'est-à-dire celui qui fait. Hein, le poète, c'est celui qui fait, hein, en grec, et qui est Dieu lui-même. Donc, d'avoir Dieu, si vous voulez, vigneron, comme vigneron et comme viticulteur et comme créateur d'une vigne, peut laisser augurer de la qualité de ce vin qui a été offert à l'occasion à Cana et qui est offert à toute l'humanité, hein, à travers l'alliance, précisément, qui est conclue entre Dieu et l'humanité. Émonder, c'est aussi envisager l'avenir. C'est se dire, bon ben, pour l'instant, il donne rien, mais il y a quand même toujours l'espérance de se dire, ben, à partir de là, ça pourra repartir, et très certainement, ça deviendra un porteur de l'année suivante. Il ne faut pas penser que ça va vraiment donner des raisins. Ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, ce n'est pas encore les bébés raisins, mais ce sont les prochaines fleurs qui vont éclore d'ici quelques semaines. Et donc, il doit y avoir 2 porteurs, celui-là et celui-là. Et si je trouve autre chose, vous voyez, il y en avait un ici, qui lui, il ne sera pas fructifère, mais qui va prendre de la sève, eh bien, je l'enlève. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, là, ici, ben voilà, j'en trouve en dessous. Très souvent, c'est par en dessous. Et j'enlève tout ce qui, justement, va prendre la sève, au lieu de la donner pour les fruits. Thank you.
Un moine doit travailler de ses mains, ça fait partie de la règle de Saint-Benoît, et le travail, l'accomplissement le plus parfait du travail, c'est aussi une sorte de prière. Par conséquent, si le moine cultive la vigne, il doit la cultiver le mieux possible et obtenir le meilleur vin possible, ne serait-ce que parce que, comme il a une vraie culture religieuse et qu'il connaît les Écritures par cœur, il sait très bien que le premier miracle de Jésus, ça a été de transformer de l'eau en vin au cours des noces à Cana, et que ce vin était absolument prodigieux. Donc le moine essaye de se rapprocher de cet idéal du très bon vin, parce que le bon vin, c'est aussi la gloire de Dieu. C'est ici qu'on invente cette technique de la clôture et qu'on invente ces clos. Et au lieu de mettre les pierres en tas, eh bien, on essaye de les monter en mur, en pierre sèche, et d'enclore la vigne. L'avantage des vignes qui sont à proximité du mur, c'est que le mur accumule la chaleur dans la journée, qu'il la restitue la nuit et qu'il élève la température. Au Moyen Âge, donc, la vigne et les moines de Citeaux sont les premiers, commencent à escalader les pentes et à s'apercevoir que la vigne cultivée sur une pente permet d'obtenir des meilleurs raisins parce que les rayons du soleil, qui sont obliques évidemment, on n'est pas au tropique ici, tombent à la verticale sur la pente. Donc les raisins mûrissent mieux. En plus, il y a des sols avec du caillouteux, donc bien drainés, alors que dans la plaine, il y a de l'argile. Donc la vigne a besoin d'avoir les pieds au sec et la tête au soleil. C'est l'endroit idéal. Et ça, les moines de Citeaux contribuent à cette découverte de l'intérêt du coteau. Quand on dit le mot prière en français, ça évoque d'abord quelque chose de silencieux, d'inactif, alors que la prière monastique est une action. Oui. Et ça, on essaye de le transposer dans le travail. Alors justement, vous avez inventé des techniques pour faire le meilleur vin possible. En quoi c'est en relation avec la règle monastique? Le travail, c'est le travail des mains, et les cisterciens ont beaucoup insisté sur « ils seront vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains ». Dans la règle de Saint-Benoît. Mais le travail est aussi un travail intellectuel. La vraie devise monastique, ce ne serait pas seulement « ora et labora », ce serait « ora legge, legge et labora ». Prie, lis et travaille. Et donc, il y a une partie du travail qui est un travail de réflexion et de mise en forme des techniques. Et parmi la technique, il y a la technique viticole. Il y a un ordinaire d'abord, l'ordinaire de la vie. On n'est pas tout le temps en train de planer à 3000 mètres d'altitude. Notre vérité, elle n'est pas dans le moment où on plane, elle est dans l'ordinaire de la vie. Mais dans cet ordinaire de la vie, on touche à un mélange de contrôle et de lâcher prise. Qui est un peu comme le début de l'ébriété, où on continue à contrôler et où en même temps, on sent bien qu'on est dans un autre monde.
C'est un mémorial, c'est-à-dire c'est un événement qui se répète, c'est un événement du passé qui se répète dans une actualisation présente et dans une présence qui rend présente ce moment du passé. Et ce moment du passé, ça n'est pas la scène en elle-même, mais c'est le mystère de Pâques, c'est-à-dire le mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Dans le sacrement de l'Eucharistie, nous faisons le mémorial de la passion du Christ. Nous nous souvenons qu'il s'est offert pour nous, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Dans le mystère de la croix, d'un amour incommensurable, où il se livre et se donne sans rien retenir. C'est ça, le mystère de l'amour.
l'Eucharistie devient le centre, le sommet de toute notre vie communautaire, ecclésiale, mais de notre vie aussi propre à chacune, c'est que d'habitude, une nourriture, on se l'approprie, c'est-à-dire on transforme le pain et le vin qu'on mange en soi, c'est-à-dire on fait tout un processus physique pour gagner des forces. Et en fait, avec l'Eucharistie, c'est l'inverse qui se produit, c'est le Christ qui nous incorpore à lui. Ça fait que quand on se nourrit du corps et du sang du Christ, quand on boit le sang du Christ, en fait, on devient un seul corps, non pas parce qu'on ingurgite la nourriture, mais c'est parce que le Christ nous incorpore à sa personne, en fait. Et du coup, on peut dire qu'on devient un seul corps. C'est pour ça que l'Église est une. On dit souvent dans le credo, l'Église est une sainte catholique. Et elle est, en principe, elle est une, justement, parce qu'on forme tous les membres du corps du Christ sont un, grâce à cette communion au corps du Christ. Ça rappelle d'ailleurs l'image que je vous ai donnée ce matin, vous savez, l'image de Jean 15, où Jésus dit « Je suis la vraie vigne, et vous êtes les sarments ». Et cette unité, se fonde vraiment justement sur ce mystère de l'Eucharistie qui va nous unir particulièrement au Christ qui est le cep. Hein? Non, c'est bon. Elle est là, Xavier? Ah, parfait. Là, on est à 11-8. Le problème, c'est qu'il y a un bas-fond qui n'était pas dans les trois rangées qu'on a fait vendredi. Soit, bah, viens, on peut goûter. Hein. On peut goûter le jus. Hein. Là, ça devrait prendre combien, ça en... Ça, c'est la première... Oui, je vois ce que tu veux dire. Premier échantillon. Ouais, ça m'étonne quand même. C'est pas normal qu'ils soient à 12-8. Ils soient à 12-8 et la rangée d'après, une semaine après, ils sont à 12. Combien de rangées, là, Kader? 5 à chaque fois pour une remorque? Bon, je t'appelle, Kader. Moi, je comprends pas. Ok. C'est bon. Allez. Ouais, ça peut pas être long. Hein.
quand on est face à un tel monument, le fameux têtu de la fin du XVe siècle, qui a été construit par les moines à partir des arbres de leur forêt de Cîteaux, de ces chênes magnifiques, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'un des thèmes majeurs de la culture religieuse du Moyen-Âge, qui est ce thème du pressoir mystique, qu'on trouve sur beaucoup de vitraux, sur beaucoup de tableaux, dans les miniatures, dans les sculptures, et qui est cette analogie que l'on fait entre le raisin en train d'être pressé qui va donner du vin, et le Christ qui, sur ses représentations, est couché dans le pressoir à la place du raisin, écrasé par le péché du monde, c'est cet énorme poids des madriers qui est au-dessus, et c'est son sang qui coule ici. Et comme vous le savez, dans l'Eucharistie, le sang du Christ conserve les apparences du vin. Donc ça montre à quel point, pour des moines qui essayent de faire du vin à la gloire de Dieu, le meilleur vin possible, parce que rien n'est trop beau pour Dieu, ça montre à quel point la figure du Christ crucifié et donnant son sang pour le salut de l'humanité est importante. Et donc, quand les moines construisent ce pressoir, c'est à ça qu'ils pensent, bien sûr. C'est pas, ils font pas du vin pour se saouler. Ils font du vin pour la gloire de Dieu. Et quand ils en boivent, c'est en s'emplissant de Dieu. Et quand c'est au cours de la messe, évidemment, c'est le sang du Christ. Et donc, cette association extrêmement forte dans le christianisme entre le vin et le sang du Christ est extraordinaire. Alors, curieusement, à cette époque, l'Église a choisi de célébrer la messe au vin blanc pour ne pas tacher le linge liturgique. Mais évidemment, pour les imaginations, ce serait encore mieux si c'était du vin rouge, puisque ça a la couleur du sang. Et on dit que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a choisi le vin blanc. C'est pas seulement pour le linge liturgique, pour ne pas le tacher, c'est aussi parce que ce serait trop facile pour les fidèles de penser que c'est le sang du Christ, puisque ça a la même couleur. Donc le fait que ce soit du vin blanc et que ce soit du sang oblige à un acte de foi. Et ça, c'est quelque chose aussi de très, très, très fort dans l'histoire théologique qu'on oublie parfois. Souvent, on dit « Ah ben non, mais c'est pour pas tâcher le linge liturgique ». Les orthodoxes continuent à dire la messe au vin rouge. C'est la même raison pour laquelle on continue à célébrer la messe dans des calices en métal et non pas en verre ou en cristal, parce que si c'était en verre ou en cristal, on verrait au travers. Et donc, l'important pour le croyant, pour le fidèle, c'est cet acte de foi. Oui, c'est le sang du Christ, alors que ça a l'apparence de vin blanc, et que quand on le goûte, c'est des vins blancs.